Quand j'étais au collège, il y avait une camarade de classe qui arrivait régulièrement en retard. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle courait dans les escaliers pour faire semblant qu'elle s'était pressée pour arriver à l'heure. Alors qu'en fait, tout ce qui se passait, c'est qu'elle allait fumer des trucs illicites et que donc elle était obligée de sortir du collège et de revenir ensuite, donc elle arrivait en retard. Aujourd'hui, je sais que je suis en retard, mais je vais pas courir dans les escaliers et je vous remercie pour votre patience. Salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tirage au sort. En ce moment, je sais que je ne sors pas beaucoup de vidéos parce que j'ai la tête dans les travaux. En fait, je suis en train de refaire mon fond. Donc c'est ce qu'il y a derrière là, donc vous pouvez pas encore le voir. Je suis en train de refaire mon arrière-plan qui n'était pas très joli et ça me demande énormément de temps. J'en peux plus, vraiment. J'ai bientôt fini, mais voilà, j'y suis pas encore tout à fait. Là, je suis en train de disposer pas mal de choses dans mon arrière-plan pour que ça soit joli, que ça soit aussi agréable à filmer. Et je suis en train aussi de me débarrasser des autres meubles et tout ça, donc... Un peu de patience encore et on devrait pouvoir reprendre les vidéos normalement. Notamment, j'aimerais vous faire des vidéos de cuisine en compagnie de Gabi, donc ma compagne, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et ouais, j'aimerais vous faire des vidéos de cuisine vikinge. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tirage au sort, pour savoir qui a gagné le livre Unearthing Edeby. Super livre. Donc il y a la traduction de Sporensur Aitabu. Le Sporensur Aitabu qui est lui en allemand, c'est un livre de référence sur l'archéologie de Edeby en actuelle Allemagne et qui était au Danemark viking et donc qui a été traduit en anglais et qui au passage a pris 30 €. Hein. Vous êtes quasiment 7000, donc il y a des nouveaux venus. Pour ceux qui ne savent pas encore, je fais un tirage au sort tous les 2 mois et je tire au sort les tipeurs parce que en fait le but c'est de remercier ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. Merci beaucoup à vous, hein. C'est grâce à vous que je fais encore des vidéos, hein, pour être 100% honnête, parce que c'était juste avec l'argent de YouTube, je pourrais même pas couvrir l'électricité que j'utilise pour faire les montages. Et juste avant de faire le tirage au sort, je vais vous annoncer quel sera le prochain lot, et c'est un lot qui va vous apporter des compétences, parce que gagner des trucs, je trouve que c'est cool, gagner des compétences, je pense que c'est encore mieux. C'est William Boisson de Lame et Feu qui vous offre un stage pour 2 personnes, c'est un stage de forge chez lui à Cubrial, donc c'est dans le Doubs. C'est un super stage à faire pour apprendre la forge, donc c'est tout compris, hein. C'est toute une journée entière d'apprentissage de la forge. Je pense que ça doit même passer extrêmement vite parce que ça a l'air super intéressant. Il m'a expliqué un peu ce qu'il fait. Will, c'est un forgeron qui travaille bien, qui fait des belles choses, et donc il m'a proposé de vous offrir ça et je pense que c'est une super idée. J'espère que vous êtes emballé aussi par l'idée, parce que comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est beaucoup mieux d'apprendre des compétences plutôt que d'amasser du matos et voilà, apprendre à faire soi-même les choses. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens font de la reconstitution ou des choses liées, hein, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui font par exemple du bushcraft ou des choses du style. Et pareil, c'est la même idée, hein, c'est d'apprendre à faire les choses soi-même. Dans le cas où vous ne pourriez pas vous déplacer, ce serait dommage, mais Will est ok pour vous envoyer un couteau à la place. Donc même si je pense que ce serait mieux de faire le stage quand même, voilà, il y a cette possibilité-là pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ou pour ceux qui ont déjà un niveau monstrueux à la forge et pour qui un stage de forge ne serait pas utile, je sais pas. Merci beaucoup à William, je vous invite à aller voir sa page Lame et Feu sur Facebook et comme ça vous pourrez voir un peu tout ce qu'il sait faire et pourquoi pas lui commander des trucs. Parce que bien sûr le but quand je montre un artisan, surtout un artisan français, c'est que vous puissiez découvrir des nouveaux artisans et leur acheter des trucs. Et petite précision, moi j'y gagne rien si ce n'est pouvoir vous offrir des lots sympas. Voilà, mais c'est pas sponsorisé, il m'envoie pas d'argent ou quoi. On va faire le tirage au sort, c'est sur l'écran derrière moi, et comme d'habitude, j'ai mis tous les participants des mois précédents sur le petit tableur Excel avec la fonction qui va nous permettre de sortir un nombre, et donc on va voir qui c'est. Vous avez été 56 à participer, on va voir directement qui a remporté ce beau lot. Petit Sven, donc David, bravo à toi Petit Sven, super content que tu remportes ce bouquin parce que t'es un tipeur depuis très longtemps maintenant et voilà, t'es un super soutien pour moi et pour la chaîne. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se verra, mais je ferai en sorte de te remettre ce livre, Unearthing Edeby, et ça tombe bien parce qu'il me semblait justement que tu faisais du
et des billes sur ton costume que c'était le projet. Donc encore bravo à toi et merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc bien sûr, je parle souvent des tipeurs parce que vraiment c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ça. S'il n'y avait pas le Tipeee, je pense que j'aurais arrêté de faire des vidéos il y a quelque chose comme un an et demi, deux ans, voire peut-être même plus. Dans tous les cas, c'est pas forcément obligatoire de participer sur le Tipeee. Vous faites ça si vous avez envie, vous faites ça si vous avez les moyens. Mais dans tous les cas, participez juste en mettant des commentaires, en mettant des pouces bleus, en partageant les vidéos, c'est déjà super bien, super gentil de votre part. Et c'est grâce à vous qu'on est à quasiment... là, 7000 abonnés, je crois qu'on est à genre 6950, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je ferai sûrement une petite vidéo pour les 7000 abonnés pour faire un petit bilan de l'année dernière. Parce que quand je vous ai demandé si ça vous intéressait, vous avez été nombreux à dire que oui, ça vous intéresse d'avoir un petit bilan de l'année passée et des projets à venir. Et pour rappel, si vous participez au Tipeee sur les mois de mars et avril, vous entrez automatiquement dans le tirage au sort pour gagner le stage de forge pour deux personnes chez William Boisson de Lame et Feu. Bonne chance à tous. Et ça va être tout pour cette vidéo, je retourne à ma peinture et à ma préparation de l'arrière-plan. Et aussi, je vais essayer de vous finir le montage de Yule et de Dropnir pour qu'il y en ait un qui sorte là début avril et peut-être le deuxième début mai. Merci à tous et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut !